Une crypte secrète. Pourquoi secrète? Imagine que si Lopez est impliqué, il doit y avoir un truc. Oui, ça se tient. Et toi alors? T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai trouvé une brochure. 7 étapes pour se rapprocher de Dieu. Qui sait? Ce sera peut-être utile. Un mausolée. C'est qu'on est sur la bonne voie, non? Jonah, je sens quelque chose. On se rapproche. Voyons si Lopez est passé par là. Ces notes sont de la main du fondateur de la CPD7. Elles parlent des sommes allouées pour la rénovation de la bibliothèque. Cette croix a l'air de remonter au XVIIe siècle. C'est Lopez qui l'a laissée? Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sous ses ailes. Iron et une éclipse. Jonah, ce livre évoque l'arrivée d'un étranger dans une mission. Il aurait fondé la secte des Sept. C'était peut-être Lopez. Comme sur le livre. On doit approcher. Continuons à chercher. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. Jonah, les deux citations de la Bible. Le soleil qui s'obscurcit et sous ses ailes tu trouveras refuge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le héron et l'éclipse, c'est ça. Cherche un héron et une éclipse.
y a toute une fresque là-dessous. Vera Cruz, la vraie croix. C'est bien ce que je crois. La boîte d'argent. C'est forcément elle. Jésus ramasse la croix. C'est les stations de la croix. Mais il en manque plusieurs. Avant 1600, on n'en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de Lopez. C'est un indice pour nous. Ouais, c'est son genre de laisser ça. Bon, très bien. Voyons si on trouve une croix quelque part dans le coin. Quand on aura la boîte, comment on prendra la clé à la Minguez? On trouvera. T'as trouvé? Oui. Jésus ramasse la croix. On soulève ça. Une sacrée chute. Voyons où ça mène. Deuxième station. Première chute de Jésus. Il y a une instruction. Il faut qu'on se serve ici. Du rayon pour suivre les stations de la croix. Marchez tant que vous avez la lumière. Marchez tant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous engloutissent pas. Sûrement un indice. Ou une menace. Virez la flèche, Marie. Troisième station. Jésus rencontre sa mère. Ce miroir est poussiéreux. Attends, je vais t'aider. Ça a marché. La lumière vient par ici. La lumière a activé quelque chose. Ça va aller. Heureusement que c'était un peu rouillé. Ça doit être la quatrième station. Oui.
Jetons un œil à ces fresques. Il faut qu'on utilise le rayon pour suivre les stations de la croix. Ces gens ont l'air d'avoir été torturés. Je crois que c'était plus qu'une crypte. Je m'en occupe. C'est bien ce que je pense. Encore les stations de la Croix ? Et avec des momies. C'est pas un peu sacrilège ? Pas forcément, non. Ils rendent peut-être un ultime hommage. Ou bien ils étaient malades ? Ça doit être la 6e station. Il faut qu'on utilise le rayon pour suivre les stations de la Croix. Ces types ont l'air de moindre. Je crois que c'était un lieu de culte. Pour une secte clandestine. On suppose que c'est la secte dont parlait la brochure. Ah, c'est dégueu. Heureusement que Lopez n'est plus de ce monde. Elle lui essuie le visage, je crois. Il le soulève. Cette inscription. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. C'est pour nous, tu crois ? Oublie un peu Lopez. Il a déjà causé bien assez d'ennuis. Okay. Il le porte. C'est parti. Je crois qu'il ramasse la croix. Jésus est cloué sur la croix. Il le porte. On dirait une église. Ces types ont l'air de moine. Je crois que c'était un lieu de culte. Pour une secte clandestine. Et souterraine. Je suppose que c'est la secte dont parlait la brochure. Il le soulève. Ah, c'est dégueu. Elle lui essuie le visage. Heureusement que Lopez n'est plus de ce monde. Cette inscription. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Oublie un peu Lopez. Il a déjà causé bien assez d'ennuis. Ok, c'est parti. Thank you.
crois que c'était un lieu de culte. Pour une secte clandestine. Je suppose que c'est la secte qui parlait d'abord. Il porte la croix. Je crois qu'il ramasse la croix. Jésus est cloué sur la croix. Cette inscription, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. C'est pour nous, tu crois ? Oublie un peu Lopez. Il a déjà causé bien assez d'ennui. Ok, c'est parti. Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples, et puis... Pas de témoin. Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Il nous a baladés pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des Trinitaires. Et des gens de Paititi. Il était consumé par son pouvoir. Où elle est ? J'en sais rien. Il me faut cette boîte.
Va te faire foutre! Bien, alors on a fini. Stop! Relâchez-le! Dès qu'il est libre, je vous donne la boîte. Lara, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu trop de gens mourir. Je sais, oui. Notre père était brillant. On me l'a arraché avant que je puisse le savoir. C'était mon ami. Mais il était obsessionnel et implacable. Vous ne le connaissiez pas. Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail. Il fallait y mettre un terme. Vous l'avez éliminé. Il risquait de conduire le public à Paititi. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats, mon monde aurait été détruit. Et mon monde à moi ! Oh, allons, Lara. Ça n'est pas comparable. Ça l'est quand on n'est qu'une enfant. J'avais 9 ans ! L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix ! Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Onuratu et restaurez le soleil. Non. La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste. Et vous, Lara, combien de vies avez-vous prises, et pour obtenir quoi? Lara, cours! Arrêtez-le! À toutes les unités, ici le commandant. Je n'ai pas de crétin. Croque. Dégaine. On tire à vous. C'est quoi ça? Cool. Il vient de passer en courant? Ouais. Crois qu'on le fait la paix? Surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il nous préviendra. Surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il nous préviendra. Alors, ça commence là. Surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il nous préviendra. Je leur tire mon chapeau. C'est un drôle d'endroit pour vivre. Yeah.
Arrête-toi. Et de neutraliser Croft. Pas courir bien, tu peux pas lâcher. T'es où ? Je suis dans le champ de canne à sucre. Ils peuvent pas me voir. Te fais pas repérer. J'arrive.
À toutes les unités. Cible prioritaire, Lara Croft. J'ai bien entendu le commandant. Tout le monde en chasse. Croft, je sais très bien que t'es là. Il aurait dû descendre en Sibérie. Et Dominguez n'était pas d'accord. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais je vais corriger ça. Maintenant. Elle peut vraiment pas mourir. Ok, c'est parti. Passe devant. On va changer. Ça va si je surveille la sortie, vraiment. Ouais, fais-toi plaisir. Hey. J'ai dit encore droit, non ? Bordel de merde, Simpson, fais ton boulot. Qu'est-ce que vous voulez, Morgan ? Qu'est-ce que tu crois ? Cardinal 6, on a Croft en visuel. Elle est à la distillerie. Équipe Deacon, déploiement. Deacon en attaque, commandant. Va la choper.
Tu vas bien? Ouais. Ça ira. Ok. Jonah! Oh merde. T'es prêt? Ouais. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Si je l'avais été toi, ça aurait marché. Ils iront pas bien loin. Vas-y. Vas-y, ça ira. C'est encore loin, Paititi? On y est presque. Je suis désolé pour la boîte. C'est pas de ta faute. C'est Dominguez, c'est les Trinitaires. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été de leur faute. J'aurais pu avoir une famille. Tout aurait pu être différent. On retrouvera la boîte et on arrêtera Dominguez. Majesté. Lara!
la boîte. Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel. Non, ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie, prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des infos. Merci. Je vais rester pour aider Ushu. Préviens-moi si t'as besoin d'aide. Ok. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Hé, hey Lara, t'aurais une minute? C'est incroyable comme Etsli a changé en si peu de temps. Comment ça avance, le plan, Etsli? On doit choisir. Ushu. L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide. Si jamais on va au contact, on a toutes les chances de les intercepter. Mais ils pourraient très bien nous déborder. Si on passe par là, ce sera moins dangereux. Mais le timing devra être parfait, ou ils nous échapperont. On peut faire les deux.
Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers. Ils seraient piégés. Toute approche comporte des risques, mais... je crois que c'est la meilleure option. Bien. Alors, à vos ordres. Allez, préparez-vous. On y va. C'est là qu'on se sépare. Ton chemin va par là. Lara ? J'ai un porte-bonheur. Pour toi. Etsy, c'est trop. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Merci. Sois prudent, Jonah. Toi aussi, ma belle. J'ai réussi. Je vois le pont. Merde. Ils ont fait sauter le pont. On va trouver un autre passage. Ok. Tu vois la fumée rouge ? Oui. Je vais aller jeter un œil. Unuratu a dit que le feu cramoisi était sa destinée. Ok. Essaie de faire vite. Commandant S. Cardinal 2, le pont a été détruit. Bien. À tous les chefs d'équipe, prenez contact avec les véhicules. Cardinal 2, il compte sur vous. Compris. N'oubliez pas, une ouverture structurelle peut permettre à l'ennemi d'entrer. D'autres hélicos. Oui, Achille, les trinitaires les chassent. Cardinal 8, mis en visuel. On change de cap. Direction 1-05. Installez des zones de tir et empêchez l'ennemi d'approcher du temple par tous les moyens. N'oubliez pas, ils attaquent de partout. N'importe quelle brèche dans la structure peut leur permettre de s'introduire. Yeah.
trinitaire les chasse. Ici Cardinal 8, lumière visuelle. On change de cap, direction A05. Installez des zones de tir et empêchez l'ennemi d'approcher du temple par tous les moyens. On progresse dans tous les secteurs, et on perd beaucoup trop d'hommes. À toutes les unités, n'approchez pas des murs. Restez groupés. Tirez tous ensemble, sans angle mort. La source de la fumée. Je peux l'atteindre. C'était la destinée de Nouratou. Le feu cramoisi, c'est toi. Je crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan. Des renforts. Ah, super.
Haut Conseil en position. Périmètre tenu. Je répète, le Haut Conseil va bien. Ici le commandant. Le Haut Conseil est là pour assurer personnellement notre victoire. Nous tiendrons le périmètre coûte que coûte. Thank you.